Bonjour, bonjour à tous, c'est la GPS, j'espère que tout est très, très bien. Nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo sur du Zelda Moonwaker et on se retrouve directement pour un nouvel épisode où on fait la carte au trésor. Donc, j'ai directement repris à la carte suivante. Donc, oh d'ailleurs, déjà il y a des petits blobs. Et c'est pas ça du tout que je voulais faire, moi c'est le grappin que je voulais. Et ce n'est pas possible de le tuer, donc du coup, on va changer de... On va prendre le boomerang. Voilà, donc. Voilà. Donne-moi un truc bleu, maintenant. Nickel chrome. Oh, deux, on est gâté. On est gâté sur cette île. Voilà. Donc, récupérons la petite carte au trésor. J'ai donné une carte au trésor, voilà, nickel chrome. Nickel chrome, moi je dis. Donc maintenant, on va prendre le. On a vu peut-être que. Vous avez peut-être vu qu'il y avait un sous-marin, du coup on va y aller. On va aller dans le sous-marin, c'est là où il y a la prochaine carte au trésor. Le sous-marin qui se situe juste en face de nous. Donc, tuons tous ces ennemis. Ok, déjà, il y a eu une flamme. Ok, d'accord. Tuons tout, tuons tous les petits monstres à fourchette, là. Je sais pas du tout comment elles s'appellent, ces monstres. C'est... Elles s'appellent, ouais. Ça doit être sûrement des filles, hein, ces monstres. Ça doit être des petits diablotins, un truc comme ça. Un espèce de truc comme ça, voilà. Donc deuxième partie de, voilà, on a fait à peu près la moitié. Il faut tuer tous les ennemis pour pouvoir avoir la carte au trésor. Voilà, donc tu tapes, hein, c'est pas très dur. Voilà, tu tapes, nickel chrome. Il y a quand même beaucoup de monstres quand même, c'est la Mortibus. Hein. Ah, c'est bon, on a réussi à faire apparaître l'échelle. Du coup, nous récupérons la carte au trésor. Même si je sais qu'il y a encore des ennemis, ce n'est pas très grave. On va directement à la carte au trésor, comme ça c'est fait directement. Une carte au trésor, donc... À la fin de l'épisode, je pense qu'on sera à peu près aux deux tiers. Donc je pense que trois épisodes, ça suffit pour récupérer toutes les cartes de trésor. Je pense. Vous avez peut-être pu voir aussi que... Qu'il n'y avait pas beaucoup d'épisodes en ce moment. Tout simplement que... Parce que j'ai un peu une manque de vidéos. Du coup, bah voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup d'épisodes. Je suis en mode de record. Voilà. Donc je suis dans le donc tout prenez de mon donjon. Comme je vous l'avais dit, j'avais loupé une carte au trésor, un coffre pour tout vous avouer. Et bah je vous avais dit qu'on allait le récupérer tôt ou tard. Et donc du coup bah c'est maintenant qu'il faut le récupérer. C'est à ce moment-là. Voilà. J'ai utilisé une carte au trésor nickel chrome. Donc, on va donc au suivant, à la prochaine petite carte. Donc voilà, petite ellipse. Donc je suis ici, à l'île de la phase 2, je crois. Je crois que je suis à l'île de la phase 2. Et il faut tuer tous les ennemis pour pouvoir avoir le coffre. Donc tu vas mourir, nickel chrome. Il est mort. Donc,
Donc du coup, on va tuer tous les autres ennemis. Donc voilà, lui, il a coulé. Voilà, il a coulé. Maintenant, il faut détruire les canons. Ah, mais non, il y en a encore un là. Hop, 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 hop. Voilà, on a un qui est mort. Faut tuer les canons maintenant. Voilà, un canon de fait. Le canon c'est difficile à manier. Pour une certaine bonne et unique raison, c'est qu'en fait, dès que tu avances, tu tournes ton canon plus vite que ce que tu avances en fait. Donc c'est assez chaud. Parce qu'en fait, quand tu avances avec le canon, mais si tu es à l'arrêt, ton canon bouge. Du coup, c'est chaud. Donc le coffre est apparu. Donc on va aller le récupérer, le petit coffre. Donc il y a un coffre qui est juste ici. Et oh, il y a un coffre là-bas, non? Il y a un coffre là-bas. Oh, j'ai l'impression qu'il y a un coffre. Bon, allons voir le coffre. S'il y a un coffre là-bas. Franchement, je crois bien que c'est un coffre. Franchement, je crois archi bien que c'est un coffre. Parce qu'il avait l'air d'apparence d'être un coffre. Pouvez voir qu'à bas, il y avait des petites mouettes. Et donc, pour ceux qui connaissent le jeu, mouette dit quelque chose que vous allez voir juste après. Donc, allons voir ce qu'il y a. D'accord, c'est que des tonneaux. C'est que des tonneaux. Bordel à cul. Je me suis fait troll. Je me suis fait troll. Je me suis fait troll, malheureusement. Du coup, récupérons le coffre que je vous avais dit tout à l'heure. Ça, c'est assez long quand même pour traverser toute la muraille quand même. C'est drôlement, drôlement, drôlement long. Mais bon, je vous ai pas cette partie parce que c'est le temps de pouvoir discuter, pouvoir dire comment votre week-end se passe bien. Moi, il se passe plutôt pas mal. Je suis à fond pour record parce que vu que j'étais en pénurie de vidéos, comme je l'avais dit précédemment, je record beaucoup. Pour tout avouer, j'ai déjà tourné 4 épisodes de record. Sans ma voix. Donc, allons ici. Et allons là. Donc voilà, niquer Chrome, on a le coffre. Voilà. Donc, récupère un petit coffre. Donc, bien sûr, c'est une carte au trésor. Il n'y a pas de grande surprise. Voilà. Du coup, on va aller voir la chose que vous avez avec des mouettes. Donc on est là, la chose avec des mouettes. C'est le calamar évidemment, c'est le calamar. Je sais plus s'il avait pris en photo le calamar, je sais plus du tout. Du coup je sais pas si je vais le prendre en photo. Ouais, si je vais le prendre en photo. Si, je vais le prendre en photo du coup. Je vais le prendre en photo juste après. Que j'ai un peu niqué derrière. Que j'ai tué son œil de derrière. Voilà, c'est bon. J'ai tué l'œil de derrière. Je prends une photo de en pleine face. Maintenant je prends une photo, voilà.
Voilà, j'ai pris une photo comme ça. Je suis sûr de l'avoir pris. Normalement, je l'ai pris, mais je sais plus s'il avait donné à Tendo ou pas. Du coup, bah, je prends quand même une photo pour m'assurer que je peux pas faire que je me fasse paniquer, moi, tout simplement. Et voilà, c'est bon, le calamar est tué. Il y a une fée qui apparaît, mes amis. La fée du calamar. Jeune homme qui sait contrôler le vent. Grâce à toi, je suis enfin délivré de ce monstre. Pour te remercier, je tiens à partager avec toi un peu de mes pouvoirs magiques. D'accord. D'accord. Bah, partage. Partage ton pouvoir. Ton pouvoir magique. Votre énergie magique a augmenté, elle est deux fois supérieure à celle que vous aviez jusqu'à présent. Je prie pour qu'un vent favorable souffle toujours sur ta route. Ah bah merci à toi, belle petite fée. Voilà. Donc, prochaine carte trésor. Donc la prochaine se trouve encore dans un sous-marin. Encore et encore dans un sous-marin, les amis. Sauf que ce sous-marin-là... Il est envahi de rats, il faut tuer tous les rats. Sauf que la difficulté n'est pas de tuer tous les rats, c'est de survivre aux bombes. C'est de survivre aux bombes, car les rats portent tous des bombes. Je peux à la limite prendre des bombes et faire péter aussi, mais ça risque d'être galère. Du coup, en fait, il faut faire un... Pour tuer tous les rats, il faut essayer de faire des coups d'estoc et c'est assez chaud. C'est-à-dire des coups d'estoc, c'est-à-dire faire un petit coup en pointé, un petit coup pointé. Genre pas au vertical ni horizontal, mais un petit coup, voilà. Juste un petit hop, voilà, comme ça, comme j'ai fait, comme tu as pu le voir, voilà, comme là maintenant aussi. Voilà. Donc, Laura, tu vas mourir là aussi. Nickel Chrome. Il en reste beaucoup encore de rats, il en reste deux. Bon, le rat est mort, bien sûr, mais je me suis fait toucher. Et là, voilà, nickel chrome. J'ai tué le rat. Et normalement, là, c'est fait. Nickel chrome. Là, on a la carte trésor. J'ai pris cher, hein, quand même. J'ai pris cher avec le rat. Avec les rats, plutôt. Cette saleté de rat. Vous obtenez une carte de trésor. Voilà, nickel chrome. Nickel, nickel. Donc, allons à la prochaine carte au trésor, mes amis. Donc, la suivante se situe juste ici. Elle se situe là. Et en fait, il faut tuer tous les magiciens pour pouvoir avoir la carte au trésor. Donc, on va essayer de tuer tous les magiciens. Les magiciens apparaissent une. Vas-y, mais vas-y, je l'ai tué. Enfin, je l'ai touché plutôt. Donc, toi, tu vas mourir. Voilà, nickel chrome, il est mort. Ça fait apparaître un coffre. Sauf que c'est un coffre en bois. Ça, c'est bizarre. Hein. Ouais, c'est un rubis rouge. Les coffres en bois, c'est généralement des rubis rouges. Ah. Voilà, je t'ai tapé. Voilà. Ça fait apparaître un autre coffre. Qui est aussi en bois, donc je m'en fiche un petit peu. M'en fiche un petit peu. Un autre qui est là aussi, un autre magicien et un autre. Il y en a deux donc. Il y en a deux différents. Donc prenons l'arc.
Faut prendre l'arc pour le tuer celui-là. Hop. Et je crois que je l'ai touché. Je crois que je l'ai touché. Et voilà, celui-là, il est mort. Celui-là, il est mort. La petite carte au trésor. Bien tranquille. Qu'on va récupérer, sauf qu'il ne faut pas se foirer. Pour le saut, faut pas se foirer, sinon bah tu vas devoir remonter et ça va perdre du temps. Encore une autre carte au trésor, donc mes épisodes sont assez productifs. Hein, là, on fait beaucoup de cartes au trésor et j'ai fait aussi beaucoup d'ellipses pour avancer aussi. Donc la dernière carte au trésor se situe ici, sauf que vous avez peut-être pu voir que on a déjà vu ici. C'était avec le jeu avec du canon avec les bateaux. Pas la bataille navale, mais le jeu avec les canons, les bateaux. J'en avais déjà fait un dans un épisode. Et là, il faut que je le refasse. Donc, tout simplement, que je refasse le jeu. Voilà. Si j'ai réussi une deuxième fois, bah, il va me donner une carte au trésor. Je joue. Ah bon? Alors. Oh, tu es là, mon gars. Tu es vraiment incorrigible. Montre-nous ce que tu sais faire. Et voilà, 5 bonnes navires. 5 navires. Avant, je crois qu'il n'y avait que 4 navires, je crois. Avant, je crois qu'il n'y avait que 4 navires, mais maintenant il y en a 5, du coup, c'est assez chaud. C'est peut-être ça le niveau de difficulté de ce deuxième. Trop loin, donc on va baisser. Trop loin, toujours trop loin. Toujours trop loin. Ah là c'est bon. Là c'est bon. On va faire celui-là tout là-bas. Je pense que là ça devrait aller. Voilà, Nicky Chrome. On va baisser un tout petit peu celui-là. 32, je pense que ça devrait passer. Ah, oh, je suis assez fort quand même. Normalement ça devrait passer, je pense. Pas assez loin, pas assez loin. Toujours pas assez loin, bordel la vue. Nickel, nickel. Au dernier boulet. Le dernier boulet, faut pas se foirer. Faut pas se foirer. 49, je pense que ça peut passer. Et hop, j'ai réussi. Nickel Chrome. Et j'ai eu chaud au dernier boulet quand même. Mais attends un peu. Capitaine, capitaine. Voilà. Donc, voilà. On a réussi à avoir cette carte au trésor. Du coup, c'est ici que l'épisode va se terminer. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo. Ainsi qu'à vous abonner à la chaîne. À me donner des conseils sur d'autres jeux ou encore sur Zelda Moonwaker si je ne sais pas. Et sur ce, on se retrouve pour l'épisode 71 dans 3-4 jours. Voilà. Allez, bye bye.